Good morning, Aleiden, Tizkou les Shanim Rabot, Neimot, Vetovot, avec plein de simcha qu'on reprend, Bazat Hashem, le programme des Mishnayot. On était dans le Sechet Zvachim Perek Gimel. L'étude sera le Nishmat, Morid Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nisimen Aouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo ben Esther, Risha Bat Chaim, Nechemia, Sekulor Fouat, Avraham, Ori ben Reout, Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Donc, nous étudions Maseret Zvachim, Perek Gimel, Mishnah Aleph, Kol Absolin Shishachatu, Shritatan Kshera, Shishrita Kshera, Bazarim, Banashim, Ba'avadim, Obatmeim, Afilo Bekotche Kadeshim, Obilvad Shelo Yehiyu Tmeim Nogim Babasar. Lefikach Hem Poslim Bemachashava. Bekulan Shikiblu Et Adam, Chutz Lizmano, Vechutz Limkomo, Im Yesh Dam HaNefesh, Yachzor, Akasher, Vikabel. Mishnah Bezrat Hashem qui va nous faire rentrer dans le sujet de manière douce, délicate, agréable. On était dans le sujet de Pigoul. Mais pour le moment, la Mishnah va d'abord s'intéresser à nous à évoquer un sujet annexe. Qui doit égorger un corban? Et selon ça, ça va nous permettre de revenir sur le Pigoul. On commence avec la première partie qui est simple. Kol Absolin Sheshachatu. Nous avions appris dans le Perek précédent qu'il y avait différentes personnes qui étaient Psulot. C'est la Mishnah Bet du Perek Bet, si je ne me trompe pas. Non, la première Mishnah, on avait appris toutes sortes de personnes qui étaient inaptes à faire un corban. Maintenant, la Mishnah nous enseigne. Sache que Kol Absolin Sheshachatu, toutes les personnes inaptes à faire un korban. Il y avait, par exemple, premièrement, un Israël. C'est le Kohen qui doit faire le korban. Où il y avait encore, on avait parlé là-bas d'un Dvoulyom, de quelqu'un qui était impur. Toutes sortes de Harel, Tamei, Yoshev. Ouais, reprenez la Perek Bet Mishnah Aleph. Vers là-bas, toutes sortes de personnes qui sont inaptes à offrir un korban. Une femme Kohen, en l'occurrence, par exemple. Elle ne peut pas aller faire un korban. Et bien, la Mishnah nous enseigne, sache que le psoul ne démarre qu'à partir du moment où on reçoit le sang. Tandis que sacrifier le korban, c'est-à-dire l'égorger, tout le monde peut égorger le korban, même un Israël, même une femme, et même un esclave, et même quelqu'un qui est impur avec un petit problème qu'on évoquera ensuite. C'est le principe de la Mishnah. Si vous faites attention, dans tous les psukim, par exemple ceux qui lisent les korbanot le matin, ils mentionnent le pasuk Veshachat oto al yerech hamizbeach, tzafona lefino Hashem, Vezareku bene Aaron hakohanim et damo. Il y a encore un autre pasuk qui nous dit dans Vayikra, au début de Vayikra, Veshachat et ben abakar, Veikrivu bene Aaron hakohanim et damo. Si vous faites attention, à chaque fois, la Torah nous dit il égorgera le korban, et les enfants de Aaron recevront le sang et iront le verser. On apprend de là que le psoul, qu'on a besoin d'un Kohen uniquement Mish'at Kabbalah Ve'elach, depuis le moment où on réceptionne le sang, pour aller ensuite le verser sur le Mizbeach. Tandis que la Shrita, l'action de dégorger le Korban, d'accord, l'abattage, quoi, rituel, eh ben, il est kasher, même Bezar, même Be'eved, même Be'isha, même avec une femme, même avec un esclave, même avec quelqu'un qui est impur, avec un problème technique, comme ce qu'on va dire donc. C'est ce que la Mishnah nous dit. Donc, Kol Absulin Sheshachatu, toutes les personnes qui sont inaptes à offrir un korban, un Israël, un quelqu'un qui est impur et tout ça, eh bien, sache que Shritatan Kshera, leur Maase Shrita, lorsqu'ils égorgent, il est kasher. Pourquoi? Shachrita, car abattre l'animal, Kshera Bezarim, elle peut être réalisé par un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas Kohen, un Israël. Banashim, ou même par une femme. Ou Ba'avadim, et même par un esclave. Ou Batmeim, et même par quelqu'un qui est impur, même. Va'afilou Bekodje Kodashim, et même s'il s'agit d'un korban qui est Kodesh Kodashim. On apprendra, Bezant Hashem, lorsqu'on apprendra dans le Perek Vav, qu'il y a deux groupes de korbanot. Il y a ce qu'on appelle les Kodashim Kalim et les Kodje Kodashim. Il y en a qui sont plus stricts que d'autres. Kodesh, c'est quelque chose qui est saint. Donc, Kodashim Kalim, les saints, mais simples, calmes, légers. Et ceux qui ont une sainteté, calmes, une Gdusha Kala. Et il y en a d'autres, d'autres Korbanotes qui ont une plus grande Gdusha. Ils sont Kodesh Kodashim, ils sont saints parmi les saints. D'accord? Et dans ce cas-là, ils sont plus stricts. Et bien, sache que même eux peuvent être réalisés, égorgés par un étranger. Ou par une femme. Ou par un esclave, ou par une personne impure, mais attention,
ובלבד שלא יהיו טמאים נוגעים בבשר à la stricte condition, toutefois, que la personne impure ne touche pas directement la chair. Pour quelle raison ? Tu es en train de faire un korban, et le korban est de rester tahor, et de rester pur. Si toutefois quelqu'un d'impur va se mettre à égorger le korban, il va toucher le korban. D'accord ? Et lorsqu'il va le toucher, une fois qu'il a été abattu, pas lorsqu'il est encore vivant, quelqu'un qui touche je l'explique d'abord. S'il le touche une fois qu'il a été abattu, il va le rendre impur. Donc la Mishnah nous dit, attention, si tu l'as égorgé, le korban, il sera kasher, mais à condition que tu n'as pas touché la chair, l'animal abattu. Bien sûr, tant qu'il est encore vivant, un animal vivant ne reçoit pas d'impureté. Recevoir une impureté en vivant, c'est qu'un être humain juif. Il reçoit une impureté. Il peut devenir impur. Tandis qu'un animal ne peut pas recevoir d'impureté. Un goy, c'est une tsuga. Le goy ne reçoit pas de touma du tout. Et que Médéra Banane, c'est particulier. Un jour, quand on le rencontrera, on en parlera. D'accord ? Donc un juif reçoit une touma lorsqu'il est vivant, mais un animal ne reçoit pas de touma, d'impureté lorsqu'il est vivant. Et donc, la Mishnah nous enseigne, sache que le tamé, la personne impure qui veut égorger un animal, doit veiller à ne pas rendre impur le corban. Il y a en cela un problème technique. Premièrement, qu'est-ce qu'une personne impure fait dans la Hazara ? Quelqu'un qui est impur, il doit sortir. On connaît depuis Masechet Shavuot que celui qui est impur doit nécessairement sortir de la Hazara, il ne peut pas rester au Beit HaMikdash. Il y a une solution intéressante que la Gemara propose. Il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. D'abord, on peut dire simplement qu'il a transgressé, puis c'est tout. Mais il y a même aussi encore une autre solution, c'est qu'il soit un peu loin et qu'il ait un grand couteau et qu'il égorge de loin, à condition bien sûr qu'il n'ait pas été impur en touchant un mort. Bon, ça rend d'autres complications, donc on va un petit peu lever le pied sur ça. Regardez dans le Bartanura, vous verrez plein de... Les Mefarchim m'expliquent longuement. Ok, donc pour le moment, on retient la règle. Une personne impure peut égorger un corban. Le Bartanura précise même a priori... Excuse-moi, je refais de l'ordre. On a évoqué quatre sortes de personnes inaptes, psoulim, à faire le corban, c'est-à-dire en recevoir le sang, mais que malgré tout, ils peuvent égorger. On a évoqué quatre personnes. Un étranger, quelqu'un qui n'est pas Cohen, une femme, un esclave et l'impur. Il faut savoir que pour les trois premiers, on peut a priori partir égorger soi-même son korban. L'echatrina, il n'y a aucun problème. Par contre, pour l'impur, il y a une xéra de rabanan, qu'a priori, l'homme impur ne devra pas égorger le korban de peur qu'il va le toucher. Ok ? C'est clair ? On a tout compris ? Bon, prochain. Maintenant, on va rappeler la notion de pigoul. Pour comprendre la phrase, les fikach em poslim bemarchava. Puisque ces personnes impures ont le droit d'égorger le korban, c'est pour cela qu'ils vont rendre impur le korban, le sacrifice, avec leur mauvaise intention. Je rappelle très brièvement la notion le principe du pigoul. Pigoul, c'est un korban répugné parce qu'on a eu une mauvaise intention lorsqu'on l'a égorgé. C'est-à-dire, au lieu de penser à le faire au nom de ce qu'il devait être, on l'a fait en pensant qu'on allait le manger chutzlizmano, chutzlimkomo, au nom de quelque chose d'autre. Ouais, on inclut toutes sortes de psoul, pas forcément le pigoul spécifiquement, toutes sortes de mauvaises intentions qui va invalider le korban. Si j'égorge un korban khatat en pensant que je suis en train d'égorger un korban hacham, alors le korban devient invalide. Ouais, il est pas soul. On arrête tout, il faut le sortir et partir au bet adeshen, partir le détruire là-bas, le brûler. On ne peut plus le faire en tant que sacrifice. Ça, c'est une notion qu'on traîne déjà depuis le début de Masechet Svachim. Maintenant, quand c'est un khatat, d'accord ? Chaque korban selon sa règle. Il faut savoir maintenant, le principe de la Mishnah maintenant qu'elle va nous apprendre, c'est très simple. Elle va nous dire, sache que si tu es en droit de faire la avoda, alors ton intention va invalider. Par contre, si tu n'es pas en droit de faire la avoda, ta avoda n'est pas considérée comme une avoda, et donc dans ce cas-là, ton intention n'invalide pas. J'explique. Moi, je suis un Israël, je ne suis pas Cohen. Je vais prendre un korban khatat en l'égorgeant au nom d'un hacham, ou en pensant que je vais le manger pendant 3 jours. D'accord ? Donc une mauvaise intention. Puisque je suis Israël, donc j'ai le droit d'égorger, j'ai pas le droit de recevoir le sang. De ce fait, la Mishnah va me dire, sache que si tu l'as égorgé avec une mauvaise intention, tu as rendu invalide le korban. Parce que mon intention
elle est considérée pour rendre invalide, puisque je suis en droit de l'égorger. Par contre, si j'ai reçu le sang, après avoir égorgé, j'ai pris le misrak, l'ustensile pour réceptionner le sang, je l'ai récupéré, moi j'ai pris le sang, j'ai commencé à l'amener au misbéar. Et là-bas, il y a un Cohen qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas Cohen. Je lui fais, ouais, mais je suis en train de faire mon khatat que je vais manger pendant 3 jours. Eh bien, j'ai pas invalidé le korban. Pour quelle raison? Parce que puisque je n'ai pas le droit, je ne suis pas apte à prendre le sang, ce que je fais, c'est du vin. C'est pas considéré comme si j'ai fait une kabbalah. C'est comme si je l'ai gorgé, puis je me suis mis à penser que j'allais le manger pendant 3 jours sans faire une kabbalah. La kabbalah, la réception du sang qui est invalide, c'est uniquement si je suis une personne apte à apporter le sang sur le misbéach. C'est le principe qui va être expliqué dans la Mishnah. Ouais, c'est clair? Regarde, on fait ça dans les mots. Les fikachem poslim bemarshava. Puisque toutes ces personnes que je t'ai évoquées, Zar, Isha, Pasoul, Eved, Tamé, ils sont aptes, ils ont le droit d'égorger. Alors, M. Poslim Bemarshava, une mauvaise intention va invalider le korban. Vekulan, Shekiblu et Adam, Chutz Lismano, Vechutz Limkomo. Par contre, toutes ces personnes-là, si toutefois eux, ils ont réceptionné le sang en pensant Chutz Lismano, Vechutz Limkomo, qui vont le consommer en Chutz Lismano, au-delà des limites de temps permises, Vechutz Limkomo, ou bien au-delà des limites. Des limites géographiques permises, c'est-à-dire qu'on va le manger en dehors de Yerushalayim par exemple. Qu'en théorie, c'est une marchava, c'est une intention qui invalide le korban. Eh bien, la Mishnah m'enseigne qu'il n'est pas, il n'a pas été invalidé, et de ce fait, maintenant, il y a un problème technique, il faut quand même le faire, le korban. C'est pour ça que la Mishnah me dit, « Imiyesh dama nefesh, yarzor kasher veikabel. » Si toutefois, il reste encore du sang dans l'animal, ce qu'on appelle du dama nefesh, mais il faut nécessairement le dama nefesh, ouais. Alors, le sang de l'animal qui est encore... D'accord, il y a plusieurs niveaux de sang, on ne va pas rentrer dans... On aura l'occasion d'en reparler plus longuement. Il y a plusieurs sortes de sang, il y a le sang qui sort tout de suite, le sang qui traîne, pour prendre. Et là-bas, un des sangs qui s'appelle le dame des fèches. Sans entrer trop dans trop de détails. S'il reste du sang, concrètement, donc, eh bien, il ressort à cacher avec Abel. C'est-à-dire, la Michelle me dit comme ça. Si j'ai gorgé le corban avec une bonne intention, moi je suis Israël, j'ai gorgé le corban avec bonne intention, après je me mets à prendre, à réceptionner le sang et à vouloir partir avec une mauvaise intention. La Mishnah me dit, écoute, ce que tu fais, tu n'as pas invalidé le korban. Si j'étais un Kohen avec une mauvaise intention, c'est fini, le korban, on arrête tout, on va le brûler à l'extérieur. Mais comme je ne suis pas un Kohen, ce que je fais, c'est du vent. De ce fait, donc le korban n'est pas invalide. Bon, mais il faut quand même faire ce korban. Alors quoi? Ben, s'il reste du sang dans l'animal, qu'il y a un Kohen qui vienne, qui réceptionne encore une autre partie du sang qui va rester, et qui prenne le sang et qu'il aille le jeter, le verset sur le misbéach, et dans ce cas-là, le korban sera kasher, donc c'est ce que la Mishnah nous dit, imiyesh dam hanefesh, c'est-à-dire s'il reste encore du dam hanefesh, du sang dans l'animal, yarzor, akasher, vikabel, et ben qu'une personne kasher, apte à faire le korban, revienne, et qu'il le réceptionne pour ensuite aller le verser sur le misbéach, et rendre le korban, donc, la tzet yedechova, s'acquitter de son devoir d'apporter le korban ainsi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Salam.